Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, on commence la Champions League avec un match contre le Spartak Moscou. Ensuite, on va jouer contre Marseille à domicile. Une grosse rencontre nous attend. Et pour terminer la vidéo, on aura un match plus tranquille contre Nantes à l'extérieur. C'est parti pour le premier match. Fin du match, victoire compliquée contre le Spartak Moscou. Grenier a marqué le seul but du match, mais quel but! Une frappe après un contrôle à l'entrée de la surface qui file dans la lucarne. On s'impose donc grâce à ce but magnifique, 1-0 contre le Spartak Moscou et on commence bien la Ligue des Champions. Prochain match contre Marseille, voilà la composition d'équipe. Lacazette et Beauvue sont titulaires en attaque, mais le match commence mal pour nous avec cette frappe de Nkoudou, contrée par Lopez de justesse en corner. Les Marseillais se montrent très dangereux sur leur première occasion du match. Et sur le corner, ils vont marquer le premier but du match, un but de Dorial à la 19e minute de jeu. La tête du défenseur trompe la défense après un contre. Et ça rentre 1-0 pour Marseille après seulement 20 minutes de jeu. Début de la seconde période, on va enfin avoir une occasion dans ce match où on ne se montrait pas du tout offensif. Lacazette réussit un très bon travail sur le côté gauche et centre magnifiquement pour Claudio Beauvue qui place une tête. On égalise sur notre première occasion du match. À la 48e minute, but de notre attaquant guadeloupéen Beauvue sur une très bonne passe de l'autre guadeloupéen de l'équipe Alexandre Lacazette. Mais attention au Marseille à la 55e minute avec Diarra qui va passer la balle à Gamero qui tire. Bel arrêt réflexe de Lopez. Et les Marseillais qui continuent à se montrer à l'attaque avec ce tir repoussé encore une fois par notre gardien. Et à la 71e minute, Alexandre Lacazette va faire un très bon travail à la suite d'un coup franc joué intelligemment par Fofana. Et il marque le but. On prend l'avantage à la 72e minute de jeu grâce à ce but de Lacazette qui avait été passeur sur le premier but. Le coup franc est bien joué par Fofana et ça nous permet donc de mener au score. Et on continue d'attaquer un quart d'heure de la fin du match. Grimaldo passe la balle à Lacazette sur le côté gauche. Il rentre dans la surface et va faire un festival dans la défense marseillaise. Malheureusement la balle est contrée. Elle arrive sur Beauvue qui frappe mais il manque complètement sa reprise. Et à 8 minutes de la fin du match, Batshuayi centre. La tête d'un Marseillais passe juste au-dessus. Coup franc pour nous à la 87e, c'est lointain pour Grenier, mais le tir est mal repoussé par le gardien. On fait le break 3-1 à la 88e minute grâce à ce but de Grenier sur coup franc, bien aidé par le goal. On voit sur le ralenti qu'il a manqué sa prise de balle. Et on va donc s'imposer dans ce match 3-1 contre Marseille. Une nouvelle fois un match compliqué où les Marseillais se sont créés beaucoup d'occasions et ont été dangereux. 6 tirs, 4 cadrés pour nous, 7 tirs, 5 cadrés pour Marseille. On voit qu'ils nous ont légèrement dominés et ils ont plus de possession de balle que nous. Dans notre équipe, Lacazette est nommé logiquement homme du match, 8,3 de notes. Il a marqué un but et a fait une passe décisive pour Beauvue.
Victoire 3 buts à 1 contre Marseille à domicile. Dernier match de la vidéo contre Nantes à l'extérieur. Gabriel est titulaire en attaque. Sinon, c'est une composition d'équipe assez classique. Avec tout de même Alisson, notre deuxième gardien, au but. Et Alisson qui va avoir du travail dès la quatrième minute avec ce tir d'Aristegueta. C'est magnifiquement arrêté. Et on va tenter de partir en contre-attaque à la 7ème minute avec cette magnifique passe de Gabriel qui avait vu l'appel de Nabil Fekir sur le côté gauche. Nabil Fekir fait un geste de grand buteur, contrôle et frappe enchaînée pleine lucarne. Un but magnifique à la 9ème minute, 4ème but en championnat pour Nabil Fekir qui nous permet de mener 1-0. On revoit ici l'enchaînement parfait du joueur. Au quart d'heure du jeu, Nabil Fekir qui va ensuite nous régaler avec ce contrôle, frappe enchaînée qui passe à côté du but. Une nouvelle occasion pour les Nantais avec cette tête. Et regardez ce magnifique arrêt de notre gardien qui réalise un très bon match. L'arrêt réflexe est splendide et nous permet de ne pas encaisser deux buts. Et juste avant la mi-temps, une frappe de Touré et c'est encore une fois arrêté. Dans le temps additionnel, avant la mi-temps, le gardien repousse la balle sur Darder qui frappe. Mais c'est trop au centre des cages pour inquiéter le goal. À la 56e minute, beau geste de Fekir qui élimine un joueur et centre pour Gabriel qui place une tête, ça passe au-dessus. Gabriel retrouve ici sur le côté gauche, il élimine des joueurs, rentre dans la surface et tire. Bel arrêt de Rémy Rioux, le gardien de Nantes. Et c'est pas fini, Fekir récupère la balle sur le côté. Il a réussi à éliminer un joueur avec un peu de chance. Il attend que le joueur vienne le marquer. Il l'élimine une nouvelle fois et centre pour Valbuena qui place une frappe du plat du pied qui rentre. On fait le break à la 73e minute de jeu. But de Mathieu Valbuena, notre milieu offensif, sur un très bon centre de Nabil Fekir. Les Nantais qui vont continuer à attaquer à la 78e minute avec ce tir de Mohamed Salah qui arrive sur le poteau. Et dans le temps additionnel, Salah le retrouve ici, qui sert parfaitement Lucado, le 1-2 et la frappe de Mohamed Salah qui passe juste à côté. Fin du match, victoire 2-0 contre Nantes, une victoire imméritée. Je pense que les Nantais auraient largement mérité la victoire, ils ont très bien joué et se sont procurés de nombreuses occasions. Mais ils ont malheureusement manqué de finition et on a eu un très bon gardien. Victoire 2-0 donc contre Nantes à l'extérieur. Sinon on avait joué un match à domicile, victoire 3-1 contre Marseille. Et une victoire contre le Spartak Moscou dans le premier match 1-0. On a gagné tous nos matchs mais on a eu beaucoup de difficultés. Dans la prochaine vidéo on jouera contre le Sporting de Lisbonne en Ligue des Champions. Ensuite on aura un match contre Monaco. Et pour finir un match contre Toulouse à l'extérieur. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des conseils à me donner pour la suite de la carrière, n'hésitez pas à me les dire aussi. Merci d'avoir regardé, salut!